je fais de l'eau de coco, mais à pâté seulement, donc de coco. On dit ici donc que c'est le niapal, c'est pas encore le omoto quoi en fait. Et donc c'est vraiment la meilleure qualité en termes donc nutriments. Et puis goût. Gustatif, voilà. Le mon grimpeur donc coupe les grappes qui hache à la corde et qui descend les grappes donc en douceur. Les cocos ne sont jamais. Ne tombent jamais à terre, ils ne sont pas choqués, on va dire. Pour moi, donc, c'est pour préserver au maximum la qualité de l'eau. Je ne mets pas donc, d'additifs pour améliorer le goût. Donc c'est naturel 100%.